Nous allons réaliser une sortie permission. Lorsqu'un patient part en permission, il faut effectuer un mouvement au moment de son départ, puis un mouvement au moment de son retour. Pour rappel, la durée maximale d'une permission est de 48 heures. Cliquez une fois sur le nom du patient, puis cliquez sur le bouton MVT dans la barre du haut. Sélectionnez Absence, Valider l'absence. Une fenêtre s'ouvre. Renseignez la date et l'heure de départ du patient. Sélectionnez le type d'absence, permission. Si vous souhaitez que le lit soit disponible pour un autre patient, décochez Garder le lit bloqué. Dans la colonne Retour prévisionnel, renseignez la date et l'heure de retour prévue du patient. Cliquez sur OK pour valider la permission. Sur le planning, une petite maison apparaît à la place du lit en face du nom du patient pour signifier que celui-ci est en permission. Le nom du patient apparaîtra en vert ou en gris et il sera rouge si le retour de permission n'a pas été validé à la date et à l'heure prévue. N'effectuez jamais de mouvement de lit sur un patient en permission. Lorsque le patient rentre de permission, cliquez sur son nom, puis cliquez sur le bouton MVT dans la barre du haut. Sélectionnez Absence, validez le retour après absence. Une fenêtre s'ouvre. Renseignez la date et l'heure de retour réel du patient, sa chambre si celle-ci n'a pas été gardée, puis validez en cliquant sur OK.